Le château de la Borde, près de Courcheverny, est une clinique psychiatrique. Rien n'y ressemble moins en apparence. Aucune porte n'est fermée à clé et les malades peuvent se promener librement, aisément contrôlés par le personnel soignant. Ce sont d'abord des hommes qui se sentent plus seuls, plus abandonnés que les autres. Pour lutter contre cette détresse, tenter de briser le cercle des solitudes et des impossibilités, l'un des principaux instruments thérapeutiques est la vie en groupe. Clubs, réunions, ateliers divers. Ces activités, chaque jour choisies par les malades eux-mêmes, sont surtout pour chacun l'occasion de se retrouver et de retrouver les autres, le prétexte pour dénouer des fils et des drames profonds avec l'aide des moniteurs et des médecins. À une réunion de l'atelier de peinture, on décida de faire un film. Ce fut comme un jeu, une improvisation où chacun cherchait une histoire, inventait des héros. Au hasard des discussions, un thème se dégagea peu à peu. De nombreuses séances furent nécessaires pour élaborer le scénario, imaginer les décors. Pour les personnages, chacun avait le sien. Ceux qui plaisaient à tous furent en fin de compte choisis. Il ne nous appartient pas d'expliquer les motivations apparentes ou cachées de ce choix. Il y avait un pauvre qui souffrait des dents. Il alla un jour chez un dentiste. Il ignorait que cet homme volait les dents des pauvres pour les vendre aux riches. Heureusement, un singe magicien survint. Thank you.
Meow.